Bonjour, attendez un moment, il faut que je trouve la liste d'achat. La voilà, je l'ai trouvée. Dites-moi s'il vous plaît. Tout premièrement, je veux 2 kilos de farine, 1 kilo de sucre et l'on de sel. Ensuite, je vous en prie de me donner 2 bouteilles de jus de tomate, 2 kilos de lait, un paquet de riz et un paquet de beurre. Je voudrais aussi 2 kilos de viande de veau, 2 de poulet, 300 grammes de fromage et 1 kilo de poisson. Voici, madame. Il vous faut quelque chose d'autre? Maintenant, des légumes. 2 salades, 1 kilo de tomates et l'un de carottes. Je veux aussi 3 kilos de pommes de terre, les plus grands que vous en avez, et 2 pommes tranchées, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Désirez-vous des fruits? Oui, je voudrais aussi des fruits. Voyons, 1 kilo de bananes, 1 kilo de fraises et 1 demi-kilo d'oranges. Désirez-vous des boissons aussi? Oui, je veux 2 bouteilles d'eau minérale et l'une d'eau plate. C'est tout. Payez-vous en espèces ou avec la carte de crédit? Je paye en espèces. Ça fait combien? Voyons. 45 euros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Anne. Salut, je suis Anne. Je suis étudiante et j'aime beaucoup voyager durant mon temps libre. J'ai visité presque toute l'Europe. La dernière fois, je suis allée à Paris. Elle est vraiment une belle ville. Et toi, que fais-tu pendant ton temps libre? Marie. Salut Anne, je suis Marie. J'ai fini mes études et maintenant je suis employée à la mairie. D'habitude, pendant mon temps libre, j'aime lire et écouter de la musique. Ces deux activités me détendent beaucoup. Radu. Je m'appelle Radu. Et je suis avocat. Je n'ai pas trop de temps libre parce que mon travail ne me le permet pas, mais parfois, lorsque j'ai un peu de temps libre, je fais du sport. S'il fait beau, j'aime courir dans le parc et s'il pleut, je vais nager à la piscine, par exemple. Le sport m'aide à me maintenir en bonne santé et me détend du stress quotidien. Raluca. Bonjour à tous. Je suis Raluca et heureusement, j'ai beaucoup de temps libre. Je suis élève en troisième année d'enseignement secondaire. Comme loisir, j'aime sortir en ville avec mes amis, au cinéma ou simplement me promener. Le week-end, j'aime surfer sur Internet. Je suis une personne très sociable et j'ai beaucoup d'amis partout dans le monde. André. Je suis André. Je passe presque tout mon temps libre à cuisiner. La cuisine romaine est mon passe-temps favori. Marie. Bonjour Georgette. Qu'est-ce que tu as proposé pour ce soir? Georgette. Rien de spécial. À quoi penses-tu? Marie, je vous invite au théâtre.
Georgette. Quel genre de spectacle il y en a? Marie. C'est une comédie. J'ai vu une affiche publicitaire dans la rue qui m'a attiré l'attention. Elle s'appelle « Du carnaval ». Georgette. Oh, c'est Caragiale. Je voudrais y aller. À quelle heure commence le spectacle? Marie. À 8h30. On peut y acheter les deux billets. Georgette. Oui, c'est vrai. On se rencontre à 8h devant le théâtre. Au théâtre. Georgette. Prenez deux places dans la salle, d'accord? Marie. Je pense que c'est mieux d'aller à la galerie. Georgette. Très bien. Commande-t-on quelque chose à boire ou à manger? Marie. Non, merci. Rien pour moi, si tu le veux, mais je voudrais une cigarette. Georgette. Viens au fumoir. Après le spectacle. Georgette. Comment avez-vous trouvé le spectacle? Marie. Magnifique. Vous avez vu les costumes des acteurs, pleins de couleurs et très gais, tout plein de vie. Georgette. N'en parlons plus de la décoration scénique. La salle était pleine de spectateurs. Marie. Oui, tout a été vraiment beau. Ça a été un plaisir. Je te remercie pour m'avoir invité. Georgette. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour, puis-je t'aider? Oui, je veux acheter un t-shirt pour mon bien-aimé parce que c'est son anniversaire. Quelle couleur préfères-tu? Je préfère le bleu. Il peut être aussi au motif coloré. Ça ne me dérange pas. Quelle taille voudrais-tu? Je crois que ce serait la taille L. Voilà. Ça fait combien? 8 €. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. À bientôt.